Thank you.
de l'unité 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 I'm
toute la question du combat de la question de l'esclavage. Une situation de l'esclavage de l'esclavage. Un espoir immense de l'élection de la révolution, une première élection de l'esclavage, qu'on retire le diable et qu'on retire, et nous, et cette exploration de nouveau est plus difficile. Donc, j'en ai fait avec vous, pour montrer les femmes, ce qu'on a pu faire en rapport, ce qu'on a pu faire, tant qu'il y a des esclaves, tant qu'il y a l'esclavage des femmes, le genre humain, dans son ensemble, ne peut pas être, il ne peut pas y avoir des esclaves, il ne peut pas y avoir des esclaves. Vraiment important à prendre en compte. Parce que nous, les ministères, nous avons énormément de difficultés à comprendre pour ce que nous faisons. Les femmes, les gens de femmes, les plus fréquents, les femmes, 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 pratiquement naturel, et c'est un homme, le grand-père, qui est une description, qui va de la République au Québec. Qui respecte entre l'Europe, le Maroc, le Québec. Ça paraît totalement inconnu aujourd'hui, mais je pense que c'est évidemment un peu de l'initiative et de l'initiative culturelle de France. Cet esprit de la République, c'est en fait directement écouté de l'université, va embraser pratiquement la pensée. Tout est ce que vous mettez, une somme qui ne s'arrête pas. Et c'est dans ce contexte, dans cette situation, dans cette condition de production de l'université, que d'une part, les sociologues peuvent transiter dans les interstices en France, dans ce moment où le journal du fait l'émancipation de la femme est à l'heure, où l'émancipation était le mot du siècle, elles ont pu profiter du mouvement populaire de la collectivité pour écrire, pour penser et éviter notamment la femme de la société. Nous sommes en construction de ce moment, avec tout ce qui est possible. Et vont pouvoir écrire des choses inouïes. Par mes heures, on saura mon nom. Et par ces éléments-là, on s'étonne, par exemple, d'une certaine, je ne sais pas comment le nom va être affiché, d'une certaine, on s'étonne d'être contrainte de porter un nom qui ne nous appartient pas. Quelle est cette coutume qui nous oblige à porter le nom du mari alors que c'est un passage qui est dans la loi, qui est dans la loi, c'est
Parce que tant qu'on a tendance, je comprends ce qui est ce là à rétablir les opportunités, à essayer d'installer les opportunités. Or, le féminisme, c'est précisément le discontinu, la particularité. Il faut constamment réinventer les mêmes personnes qui sont allés très loin. Dans la liberté musicale, les mélanges qui comprennent pas ici, en écrivant un texte absolument superbe, digne du texte de Colossiens, qui a participé de ce qui mine à l'esprit, eh bien, Pierre-Léon écrit dans l'hymne, en quelque sorte, à la ministre des femmes, cette folie dans cette question, qui est absolument incomplète aujourd'hui, alors que certaines vont commenter beaucoup sont extraordinairement novatrices, radicales, exceptionnellement avancées, et de même, c'est-à-dire qu'elles sont pas bonnes, sont peut-être ouvrières, professionnelles, parentaires, secondaires, mais même encore plus. Donc, regardez les gens qui ferment les portes avec étonnement, par exemple, parce qu'elles sont avec son mari, parce qu'elles sont avec son mari, avec son mari, etc. Ça veut dire que tout ce qui soit à contre-sens, elles ont par réfraction, jamais en même temps que les collectionneurs, toujours à côté, elles profitent simplement des dysfonctionnements de l'ordre social, ce qui est un et le 2 mars va entrer en révolution. Elle dit qu'elle entre en révolution. Elle n'est pas dans la révolution des hommes, elle n'est pas dans la révolution des cultes de chacun, elle est et elle revendique le pouvoir. L'esprit de la révolution, ce que ça veut dire, c'est l'esprit de la révolution, ça veut dire aller jusqu'au bout de la contradiction qu'elle pose en quelque sorte sur cette lutte qui a déjà dévoilé sa modération, et on va jusqu'à expliquer comment jusqu'à expliquer que l'universalité signifie précisément la totalité du monde. Elle se revendique de l'universel, elle réclame l'universel avec ce que ça implique, donc elle s'enfile de l'univers pour la totalité de l'humanité. Et chacune d'entre elles, les gens sont appartenant avec leur vie, donc véritablement ils sont issus du peuple, comme cela ne va pas avoir l'espérance, mais véritablement celles qui pensent en réalité de cette protection, qui donc ça veut dire qu'elles appartiennent au peuple, évidemment, en 1948. Elles sont aucunement respectées dans le mouvement social, donc dans le mouvement du peuple. Elles sont tellement respectées qu'elles vont, comme les Romains et les Indiens, jusqu'à participer à l'organisation de cette association. On les compte après juin 1948, après le massacre de juin, après cette formidable traumatisme, elles vont quand même, avec la totalité des ouvriers, presque au moins de la région de la région, organiser les associations polynomiales de chaque région en appel au gouvernement. Ce n'est pas la démocratie directe du tout. C'est, puisque la situation économique est gravissime, eh bien, nous allons nous organiser, nous, les travailleurs, pour tenter la fois de produire, d'organiser la production et d'organiser, y compris la consommation, c'est-à-dire la distribution. Alors, qu'est-ce que ça implique comme mise en forme que cette action est statue d'un droit qui est le statut de l'association des associations qui réunit plus de 157 associations dans la région de la région va expliquer que dans cette association, les minorités vont avoir le droit de participation. Et si on a fait cette histoire d'après-voir, elle peut faire des études de des enfants, mais c'est le plus vieux, etc. Ça ne peut pas exprimer la réalité. Une réflexion qui se fait de ce que l'on ne peut pas imaginer la réalité. Et nous avons
une relation entre deux, c'est-à-dire l'aide de Dieu entre nous et nous descendons ensemble. Et du coup, nous sommes solidaires entre nous. Et ça, c'est le ciel, selon le journal de la fraternité qui date des années 1940, qui est le fond de l'Église. Je reviens là-dessus parce que cette question-là, c'est pas la question que j'avais appris ici. La fraternité n'a pas grand-chose à voir avec la solitude. Donc, ce rapport fraternel entre elles vont mener le combat jusqu'à ce que le socialisme signifie précisément l'unité du gouvernement, mais c'est-à-dire le socialisme. Et c'est pour ça que va proposer cette dictature en 1839, après le socialisme. Elle va proposer sa candidature, bien sûr, au socialisme. Elle s'adresse à ce qu'elle et bien sûr, le premier d'entre eux, Trudeau. Trudeau est le champion du socialisme de cette époque-là, et qui a mis le nom de Hollande. Et donc, elle va lui dire vous ne pouvez absolument pas mettre cette mise à l'écart de la moitié du gouvernement, sinon vous êtes tout conforme à votre idée. C'est dans sa campagne électorale qu'elle va jusqu'au bout de cette bataille. Et Trudeau lui répond à considération va mener effectivement le temps de l'histoire jusqu'à cette acceptation qui va de soi, puisque lorsqu'on va permettre aux femmes d'entrer dans l'éducation secondaire, etc., le lycée dans la vie de la femme. Non, nous avons le même de l'éducation secondaire. Nous avons le même de l'éducation publique de dire. Thank you.